Putain de titre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tundra et aujourd'hui on se retrouve sur Daytona, enfin Day of Thunder. Il s'agit bien de Jour de Tonnerre, le film que vous autres ou celles qui avez évidemment connu le brillantissime Tom Cruise qui a déjà fait de la course stunt car et qui a déjà volé dans des avions comme par exemple Top Gun qu'on avait déjà fait dans un test précédent. Mais je vais vous présenter Day of Thunder qui est développé, édité par Beam Software et édité par Mindscape. Voilà. Il s'agit bel et bien d'une course stock car, donc une espèce de course simulation où vous devez conduire Colt Trigger, si j'ai bien prononcé son nom, je suis désolé de la propre prononciation, mais évidemment c'est bel et bien Colt Trigger qu'on va incarner et gagner différentes courses des États-Unis. Avec l'apparition de la Chevrolet de la Team City, Chevrolet City 46, numéro 46, que je trouve superbe, mine de rien. Ah, et cette cinématique que de ouf quand Colt Trigger arrive avec sa bécane sur la piste de circuit de Daytona, la première fois où il avait essayé une stock car avec une voiture de son rival. Je me rappelle, c'était un extrait du film, si je me rappelle parfaitement bien. D'ailleurs, là on est en qualification. Avec la voiture qu'on va piloter actuellement, c'est la Chevrolet numéro 46 de la team Chevrolet City. Franchement, oh putain, cette direction, j'aime pas trop cette direction, un petit peu trop mais rigide et un petit peu trop lourd de ma part. Oh là là. Alors on a le kilométrage que vous voyez là actuellement, donc on a le compteur de tour et compteur kilométrage. Donc là je devais être à 70 miles à l'heure. T'en vois un petit peu les MPH et les RPM. Voilà. Sur l'aiguille du kilométrage, on voit le compteur fuel qui est situé à votre gauche et le lap donc qui est le nombre de tours et time pour le temps. Bon là j'ai fait 25, super, 25 secondes chrono, 25,3, nickel. Je continue. Le but c'est d'arriver à la première place du podium. Et aussi de faire le meilleur temps, le pole position, pour avoir quelques avantages en tête, pour éviter d'avoir affaire à des nombreux concurrents qui vont essayer de vous harceler à droite à gauche. Ah aussi, j'ai oublié de vous dire qu'on a le compteur de votre véhicule, enfin la jauge de... Bon, c'est pas une jauge de santé, mais c'est au fait en fonction, mais des usures de votre pneumatique, et si jamais vous endommagez votre moteur, vous devez aller obligatoirement au stand pour réparer votre moteur et changer les pneumatiques. Par contre, le bémol, c'est que vous allez prendre du temps à changer ces putains de pneumatiques de merde et vous perdez aussi une place précieuse. Sixième place, bon bien. Bon ben c'est bien. Je vais essayer d'anticiper, d'aller plus vite quand même. Alors, mine de rien, je trouve assez joli quand même cette finition, ainsi qu'on a aussi quelques... Il y a en même temps un message du commentateur en bas là, donc les espèces de barres de la barre violette là qui indique les messages à droite à gauche et tout, bon, qui vont afficher par les radios je présume. Par contre, on a 12 tours à boucler. C'est exactement ça qui m'inquiète sur ce jeu. Oh putain, ça commence plutôt fort. Voilà, on arrive au putain de problème
au jeu, c'est surtout les concurrents et l'IA qui est mille fois plus horrible. Là, il faut aller à fond, là. Là, il faut freiner. Putain, c'est vraiment le jeu le plus compliqué du siècle. Je parie que même un joueur de l'époque a essayé de terminer. Franchement, j'arrive pas trop à imaginer comment est-ce qu'un joueur peut-il le terminer en 2-2. Mais franchement, je n'y crois pas vraiment à 100%. Ah putain, quel con! Ah, je vais l'avoir ce con. Je me suis entraîné, figurez-vous, avant de faire ce test, mais franchement, c'est le plus difficile de tout ce jeu. Putain, même Top Gun était mille fois plus facile que ce jeu quand même, hein. Bon, bah évidemment, c'est une adaptation, mais d'un film qui a été adapté en même temps, enfin c'est plutôt le film, enfin il est tiré du film évidemment, mais de Jour de tonnerre, et franchement c'est vraiment le jeu le plus compliqué. Tu donnes ça à gamin. Alors j'ai oublié de vous dire que ce jeu est sorti sur Game Boy et sur Nintendo NES. Donc là j'ai la version Nintendo NES, mais c'est vraiment la plus horrible des versions. Putain d'enfoiré. Ah merde! Bon là, je suis à la quatrième place, c'est plutôt pas mal. Gère plutôt bien le. Là, on arrive au stand. Si tu veux bien te bouger. Oh putain. Eh merde. Oh là 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 là, c'est la merde. C'est la merde, les gars. Je vous le dis, c'est la merde. Ah là là, c'est la misère, hein, je vous le dis. Oh là là. Putain, les pouces. Oh là là. Putain, ce contrôle, il est horrible, les gars. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Je me demande qui a programmé ce concept. Hein. Franchement, les gars, il va falloir qu'on m'explique le concept de ce truc. Hein. Putain, il faut aller le plus rapide. Et là, on perd beaucoup de positions, là, les gars. Oh là là. Oh là là. C'est pas bon. Bon, on va rattraper la tête. Par contre, le souci, c'est que si vous êtes en face du pilote et qu'il vous percute à tout moment, eh ben. Attends, je vais arriver, je vais y arriver. Oh, la septième place, c'est bien. Le but est d'arriver à se qualifier. Le but est d'arriver à être dans quelques positions, voire même arriver à être à la première place. Par contre, ça m'étonnerait qu'un joueur arrive à aller à la tête du podium. Hein. Franchement. Ah putain, c'est pas possible! Oh! Tire-toi de là, toi! Putain!
ça tire quand même quelques exploits de d'arriver. Ah, oh, putain. Et le contrôle de cette voiture, il est horrible. Voilà, fallait pas le faire. Allez, dégage, dégage. Merci. Sixième, c'est bien. Il faut rattraper. Parce que je vous dis pas comment c'est le stock car, c'est vraiment un sport de contact. Putain de téléphone de merde. Ce téléphone qui arrête pas de sonner en même temps et toi t'arrives, t'essaies de te concentrer comme un con en essayant de faire un jeu le plus navet du siècle. Et ensuite, voilà. Bon, sixième place, c'est pas terrible. Là, je vous dis, hein, c'est un jeu extrêmement compliqué. Hein. Mais franchement, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là parce que franchement, c'est un jeu qui j'ai vraiment mal au pouce à cause de ce jeu. Oh putain, j'ai déjà mal au pouce. Ah, voilà. On a le classement. Le but était de monter au classement et d'essayer de rivaliser contre Roddy Burns. Mais Burns, il est assez rusé, ce con. Mais très, très, très rusé, ce con. Mais bon, on arrive quand même au top 6 du classement. Bon, après, c'est pas énormissime, mais le plus important, c'est d'arriver un petit peu entre ce classement. Si on arrive à la troisième place, ce serait bien. Et là, Atlanta. Enfin, Atlanta. Oui, Atlanta. Oui, Atlanta. Ce que j'ai dit, hein, Atlanta. Bon, c'est compliqué quand même, ces putains de prénoms anglo-saxons quand même. Hein. Bon, bref. Pourquoi je dis. Bon, peu importe. Alors là, c'est un long circuit. Là, on est plus sur Daytona Beach. Là, on est plus sur le circuit mythique de Atlanta, si j'ai bien prononcé ce putain de mot de circuit là. Bon, allez. Ah, sympathique, les routes aux couleurs chocolatées là, donc ces couleurs de merde. Alors, ce jeu, il a reçu une note le plus bas possible. Je me rappelle que sur un site, c'était... Attendez, je vais vous... Oh putain la vache! Vous avez vu ça? Le tableau de bord qui est en train de vibrer comme le moteur. Attendez! Il vibre comme le moteur celui-là. Je vous assure. Hein. Je vous assure les gars. Bon bref. Bref. Il y avait une version qui était sortie à l'époque, au cours du développement, qui a été faite par Chris Aubert. Donc de chez Midscape, et à un moment donné, la version de Hotbert a été annulée et les travaux ont été transférés à BM Software, donc c'est le développeur. La version Obtain a été récupérée à partir de disquette en 2020. Après sa mort, la Video Game Historic Foundation et son code source a été rendu disponible en juin 2020, avec l'autorisation de la succession d'Aubert. Des versions supplémentaires du jeu de BM Software ont été apportées sur PC en 90, sur NES et sur Game Boy en 92. Enfin, la version Game Boy était sortie en 92. Mais par contre, il a une note de 39%. Attendez, je vais vous retrouver cette note là. Putain. Voilà. Accueil. Mate Machine, 39% sur la note. Ils l'ont donné à 39%. C'est assez glauque quand même pour un jeu qui est critiqué, qui était devenu le jeu le plus
le plus nul à jouer, et malheureusement, je trouve ça un peu triste, hein, parce que franchement, une adaptation mais d'un jeu. Alors qu'en étant gamin, j'ai joué à ce jeu aux côtés de mon père. Je n'avais jamais réussi à terminer ce putain de jeu. Il était compliqué. Mais malheureusement, à l'époque, bon ben c'était à l'époque et en étant jeune, ben tu pouvais voir comment est-ce qu'il en tire un petit peu sa référence. Et malheureusement, ben, c'était insuffisant. Oh putain, troisième place! Oh putain, il faut conserver cette troisième place là, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Oh putain! J'ai fait 12 secondes 3, 12 secondes 5 et j'ai réussi à atteindre la troisième place. C'est pas fou, les gars? Bon, ben, super, allons-y, hein. Par contre, lui, il va m'emmerder. Et voilà, je savais bien. Il faut appuyer comme un has-been sur la manette B. Putain de branleur. Putain, ça a été programmé par un branleur comme un Midorien. Hein. Putain la vache. Mais je préfère la version qui a été tirée de la version NES qui est sortie en 2020, qui n'a jamais vu le jour, mais c'est dommage. Il faut que je vous retrouve cet extrait et que je vous la mette sur... Parce qu'il m'a l'air vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il en tire. Parce que franchement, les gars, je dois absolument vous le montrer parce qu'il est génial. Voilà, moi je m'attendais à cette vraie version qui est sortie en 90, mais je préférais mieux celui mais que vidéo histoire, enfin que vidéo historique. Attendez. Attendez, il faut que je le retrouve. C'est super dur. Que, alors, Video Game Foundation avait fait cette vidéo dédiée à ce jeu. D'ailleurs, il faut absolument que je vous le retrouve et que je le mette évidemment enfin, un extrait de leur vidéo, enfin, de leur vidéo sur ce jeu. Et ensuite, je vous la mets et il en est bon. Voilà. Voilà, je vous montre ça. Je préférais la version de 2020, bon, qui est une version qui a été mise pour la version NES, et malheureusement, il a été annulé. Mais je préfère la version de Chris Aubert, enfin Aubert, que celui-ci, parce que la version de Chris Aubert est 1000 fois plus meilleure. Voilà les gars, c'est mon avis. Ce jeu, il est entièrement pourri. Je savais bien qu'il ferait partie de mes des jeux pourris, et malheureusement, je savais. Pour ça qu'il m'avait vraiment mis en travers de la gorge ce putain de jeu. Et pourtant, par contre, j'ai remarqué qu'on arrive à se qualifier à quelques places quand on obtient le meilleur temps au tour, on met meilleur temps au podium. Bon, ça, je l'accorde. Mais par contre, le système du stand est foireux. Putain, même Ferrari Challenge Grand Prix était 1000 fois meilleur avec ce jeu. Enfin, que ce jeu, je veux dire. Franchement, il y a un problème, les gars. Au niveau du système pour ravitailler le joueur et tout. C'est quoi ce problème, au juste? C'est pas possible. Il faut... C'est pas possible. Bref, je préfère la version de Chris Aubert, qui est 1000 fois meilleure. Mais ça, c'est une escroquerie, là, ce qui... Mais ça, c'est une escroquerie, mais qu'on nous a fait sortir à l'époque. Franchement, c'est une escroquerie. Hein. Ah, et en plus, en même temps, tu peux ralentir. Bon, ça, je ne savais pas ça. Bon, bah, après, c'est pas grave, moi, je l'avais su. Ah, l'enfoiré, putain!
Par contre, je me demande combien de tours est-ce qu'on a, parce que là, j'ai pas fait attention. Bon, c'est bien, là, j'ai conservé quelques essences, donc c'est bien. Et là, je vais devoir mettre les gaz. Par contre, quand tu mets les gaz, ton litre de réservoir s'affaiblit le plus vite possible. Par contre, j'ai remarqué que si tu ralentis, normalement, t'es pas censé baisser le plus vite, hein, le plus vite possible. Mais ça, franchement, j'ai fait attention quand même, hein. J'ai pas fait attention au moment où un testeur l'avait dit autrefois, mais je sais pas si AVG l'avait dit, mettant son test à lui. Et j'ignore s'il avait fait un test sur ce jeu. Ah putain, ça me semble lent. Bon, je vais mettre un petit peu les gaz là. Oh, je crois que le pneumatique va me lâcher. Il est sous le rouge et c'est pas bon. Allez, dépêche-toi, nom de Dieu! Mais allez, actionne-le, putain! Allez, bouge! Putain, putain, putain! J'ai oublié cette espèce de connerie! Oh putain! Téléphone de merde! Putain de merde! Bon, quand même, on est arrivé jusqu'au bout du live. Oh putain, c'est pas possible! Ah, j'hallucine. Je me retrouve à la cinquième place. Hein. C'est vraiment fantastique. Mais je peux essayer toujours de me rattraper à tout moment. Mais apparemment, je crois qu'on n'aura pas le temps. Plus vite! Je crois qu'on aura quand même 30 tours, il me semble-t-il. Enfin, il me semble qu'on aura quand même 30 tours. Mais je ne sais pas combien de tours est-ce qu'on a sur cette piste, hein. Ah, je suis pas loin de rattraper celui-là. Je suis pas loin de rattraper. Je vais le coller au cul celui-là. Ouh, pas mal. Alors peut-être que j'ai dit un petit peu trop vite les choses, mais c'est vrai que Daytona a quand même son côté un petit peu plus stratégique quand on essaye de conserver la vitesse du véhicule et de ah putain, là j'ai mal géré mon truc, enfin mon stratégique, mais on peut facilement rattraper le concurrent qui est en face de nous. Par contre, se ravitailler en stand, c'est vraiment la croix et la bannière. Je me demande quel est l'énergumène. Putain, en plus il me colle au cul celui-là. Mais franchement, je me demande qui a pu programmer cette espèce de immondisme
avec le système du standing. Ça me semble vraiment impensable de faire un truc pareil. Franchement. Excusez-moi les gars, mais le côté simulation n'est pas du tout bien rendu, hein. Ah, ça y est! Dernier tour. Oh putain, je crois que j'ai une chance sur deux de l'avoir. Si j'atteins une troisième place, je ne suis pas certain de l'avoir, cette troisième place. Non, laissez tomber. Nice try, buddy. Quatrième place, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, superbe. Quatrième place, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. On peut faire mieux que ça, mais sans atteindre la sixième place. C'était sixième place, quoi. Mais j'avoue, franchement, c'est ultra dur. Voilà, quatrième place, et les autres, ils ont fait pas mieux. Ils ont pas fait mieux que nous, en fait. Voilà. Ça va, on est pas mal du tout. La Siri Cup. Ah ouais, d'accord. Ah oui, j'avais déjà entendu parler de cette Siri Cup. Mais bon, après. Ah putain, et j'échoue à la cinquième place, carrément. Ah non, attendez. Je suis ex aequo avec Trinman et je suis à la cinquième place à côté de Trinman. D'accord. Bon. Ben, en tout cas, ça me semble bizarre. Voilà. Bon, cela est dit. Malheureusement, cela n'en fait pas un très bon jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. C'est le système. Alors j'ai remarqué que quand tu prenais le contrôle d'un personnage pour lever le véhicule à l'arrière en le basculant, tu dois obligatoirement changer les pneumatiques avec ses deux compères. Mais parfois les deux compères, il faut les contrôler un par un. Mais je trouve ça terriblement nul ce concept. Nul! Et ça fait perdre du temps et tu perds une place. C'est nul! Mais ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour re-remplir le réservoir, t'es obligé de incarner le pompiste pour ensuite remplir le réservoir. Mais je trouve ça débile, les gars. Je trouve ça débile ce concept, hein. Bon, bref. Voilà quoi, les gars. J'ai à peu près tout dit. La maniabilité. Putain de téléphone de merde, je sens qu'il va passer par la fenêtre, ce téléphone. Bref. Bref, vous m'avez compris, la maniabilité est pas mal du tout, sauf que par moment, il faut bourrer avec le bouton B pour désaccélérer le véhicule et ralentir au moment où vous avez un virage de 90 degrés qui vous fonce à toute allure. Par contre, si vous percutez vos concurrents, vous endommagez votre moteur et vous êtes obligé d'aller vous ravitailler en stand et pour le faire à nouveau réparer, ce qui est insupportable. Par contre, j'ai remarqué que vous pouvez accélérer et rattraper vos concurrents, donc ce qui est vraiment top. Vous pouvez même utiliser l'aspiration pour l'avoir, mais ça, c'est aux fractions de seconde où tu essaies de rattraper le pilote en utilisant l'aspiration du véhicule. Ce qui est ouf, quand même. Mais bon, après, c'est un stock-car, donc le but est d'arriver en tête en utilisant l'aspiration, tout comme la Formule 1, hein, parce que la Formule 1, c'était la même chose aussi, hein. Tu restes derrière un pilote, hop, et tu essaies de l'enfumer avec l'appui aérodynamique, avec l'aspiration, mais sauf que c'est pas exactement ce que j'allais dire, mais utilisant l'aspiration, c'est mieux. Voilà. Bref. Sinon, tout l'intérêt est pas mal. Il y a des bonnes idées, mais sauf que ça n'en fait pas un très bon jeu. C'est absolument amer. Dommage. Ça aurait pu être un très bon jeu, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec certains avis de certains commentaires sur jeuxvideo.com. Malheureusement, mon avis crucial, c'est pas un très bon jeu. Je préfère l'adaptation qu'avait posté Vidéo History. Oh, putain. Vidéo Game History Foundation. Donc là, le VGHF.
Voilà, je vous donne un extrait. Je vous mets l'extrait. Je vous dis bye bye. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos qui vont arriver prochainement. Je vous dis bye bye. À la prochaine pour notre vidéo en ligne. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner autant que vous êtes. Il faut que cette chaîne continue encore à vivre. Sur ce, vivez le rétro gaming, vivez le vidéo test. À la prochaine. Ciao. Welcome back to another episode of Games You Never Played. I'm your host, Gaming Jay, and today we're hopping into a relatively new undiscovered game. This is Days of Thunder for the NES. This game was actually just recovered in 2020. In fact, I think late 2020, if my memory serves. This game has a really interesting history. It was created by Chris Oberth, who was a really prolific game developer back in the day. He made some classic arcade games, I think like Anteater. He also did like Winter Games on the Commodore 64, which we have played. He made Time Killers, World Class Bowling, tons of Apple II games, and he passed away in 2012. So you may be wondering how they recovered this game in 2020. And long story short, his family actually approached the Video Game History Foundation and asked them if they would like to look through all of Chris's hardware. He had a basement full of computers, CD-ROM backups, floppy disks, cassettes, EEPROMs, all sorts of stuff that no one had touched, I guess, more or less, since he passed away. And the Video Game History Foundation went through all of his stuff very carefully. They found some interesting tech demos he had created. There was one floppy disk, a 5 1/4 inch floppy named Nintendo Hot Rod Taxi Final. They thought maybe that was Days of Thunder, but it wasn't. But Chris had also had made American Gladiators for the NES, so they knew he was working on NES games. And eventually they found the source code for this, and they recompiled it and built it for the first time in possibly decades, and with a little detective work, they were able to get Days of Thunder working. So without further ado, let's go ahead and hop right in here and try this lost Nintendo gem. So I have no idea what we're going to see here. I have only looked very preliminarily at the fact that this game exists. In fact, honestly, I haven't even really seen the movie that this game was based off of. It had Tom Cruise, didn't it? I think so. I think Days of Thunder was sort of like the spiritual sequel to Top Gun, if I'm remembering my 80s trivia correctly. I was a little kid in the 80s, so you can't hold too much against me, but I seem to vaguely remember Tom Cruise might have been in Days of Thunder. Anyway, we're going to race on the Daytona track. Let's give it a shot. So here's our car. Car number one, performance specs. Chassis is loose. Okay, here we go. We can select different cars. This chassis is tight. Tight. I feel like I'm Tuco from Breaking Bad. This one is also loose. I don't know which Top Gear is top.
But let's go with the tight chassis because it's different than the others. We'll give it a shot. I like all the cars are the same color. I wouldn't be surprised if they just didn't have tie. You know, this was a development version of the game. It's incomplete, obviously. So I wouldn't be surprised if, you know, Chris was planning to add different chassis and stuff. Oh God, we're veering off the road. Oh God, are we qualifying? Okay, wow, this is a very primitive sort of 3D racer. Interesting. I wasn't expecting this game to be 3D, to be totally honest. Most NES racing games are top-down, like off-road, or like side view. I mean, I guess there's actually no side view. That's like platformers. It's usually top-down, or like, I guess you view from behind the car, like, it's basically sort of like OutRun. So maybe this is actually very, not too far off from like an OutRun style game. Just slightly different because I'm actually in the car. But anyway, we'll see if we qualify. And it just ends. Oh, we're 10th. I think. Oh, what's happening here? Oh, wait, now we get to race this way. Oh, look at this. Oh, now it's like Excitebike. Oh, Excitebike is the game I was thinking of that had sideways racing like this. Oh, we even tumble like Excitebike. Oh my God, we're over the road. Well, this is actually way more fun than the first person mode. Actually, I could take or leave, but I really like this. I like the look of the cars. You know, it's kind of cool how it's like there's not really... Oh, maybe there are turns. Oh, I think we either died or we won. Oh, I skipped that by accident. Okay. So I don't know what's going on. We're on the Richmond track. Okay, that car is totaled. Look at it. It's wrecked. Oh, that's cool. You get battle damage.